Vous parliez ce matin, parce que j'ai incité aussi bien, vous parliez d'incitation fiscale, etc. Ouais. Mais en l'occurrence, vous indiquiez par en même temps qu'il y avait aussi en fait des taxes déguisées à Mmh. chaque coin de rue. Donc finalement, Mmh. qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est dire que voilà, est-ce que c'est un avantage finalement de ne pas payer des impôts, Mmh. etc. Alors effectivement, ce matin, lors du petit déjeuner business, on a eu aussi une question au sujet de la TVA, on a eu une question au sujet des impôts dont on parle, tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Mais la réputation et l'attractivité des Émirats arabes unis au niveau des investissements étrangers, c'est fait par l'intermédiaire de ces free zones et D'accord. du fait qu'on peut être propriétaire de son entreprise sans avoir d'impôt sur le revenu ni d'impôt sur les sociétés. Donc on a des recommandations du Fonds monétaire international qui nous explique qu'étant donné la perte des produits du pétrole, des revenus du pétrole La chute du prix, ouais. qui a chuté ces derniers temps, on nous conseille aux Émirats de mettre en place des taxes, etc. Mais les Émirats gardent le cap et décident toujours de ne pas implémenter de taxes. Cela D'accord. dit, pour répondre aussi à la question, Oui. on a quand même, dans le cas d'une création de société, Par exemple. l'obligation de renouveler la société tous les ans. D'accord. Une société qui va coûter environ, par exemple, dans une zone comme JLT ou DMCC, à l'ouverture environ 30 000 dirhams, juste de frais de licence, C'est-à-dire, c'est combien en euros, c'est ça fait à peu près, environ au cours actuel, 8 000 euros, et au renouvellement, ça va coûter 5 000 euros. d'accord. Obligatoire, tous Donc les on ans. va payer des taxes, c'est-à-dire qu'on va payer, on va Sans dire com qu'on, voilà. ouais, sans compter, ouais. Donc il faut C'est-à-dire qu'on obligatoirement paye la payer licence, en ça. fait. À la création, Exact. on va payer, mais chaque année, on va renouveler. Ça va être un prix moindre, mais on va payer le renouvellement de la licence, Ouais, systématiquement. exactement. On paye le D'accord. renouvellement de la licence annuelle. Et avec ça, s'en suivent d'autres frais. Par exemple, le visa pour chaque employé va coûter entre 5 000 et 10 000 dirhams tous les 2-3 ans, en fonction de la juridiction. On a aussi des frais Alors associés. justement, s'il vous plaît, je rappelle, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il s'installe, Oui. il crée une entreprise, mais il faut qu'il prenne ce qu'on appelle un visa. Donc il va payer pour ça, Oui. et enfin il va payer pour ça, mais aussi s'il a des enfants, il est marié, donc il va aussi payer des visas pour sa Exactement. famille, en fait, des membres de sa Exactement. famille. Oui. Alors les visas, ce sont des visas résidents, de résidence, parce que pour être résident dans ces pays, les pays du Golfe, il faut un travail. D'accord. La société se porte garant ou sponsor de ses employés, et l'employé va se porter garant ou sponsor de sa famille, sa D'accord. femme, son conjoint et ses enfants. OK.